L'étau se resserre sur Gaston Flos, épinglé par la Chambre territoriale des comptes pour sa gestion lorsqu'il était président du pays, condamné à rembourser 2 millions d'euros à la collectivité, peine récemment confirmée par le Conseil d'État. Les affaires judiciaires du sénateur Flos occupent aujourd'hui encore le tribunal de Papeete. La soirée du 23 mai 2004 s'annonçait grandiose, mais elle a tourné au vinaigre après la défaite du parti orange au territorial. Le traiteur était commandé, il fallait régler la note. Mais le nouveau président du pays, Oscar Temaro, refuse de payer la facture avec les deniers publics. Il porte plainte contre X et Gaston Flos est alors poursuivi pour détournement de fonds. Son avocat a obtenu le renvoi du dossier au 3 février. Tout simplement parce que le président Flos a dû s'absenter de la Polynésie pour assumer ses fonctions de sénateur. Vous n'êtes pas sans savoir que la réforme de la retraite, dite réforme ITR, est actuellement en cours de discussion au Sénat. Autre affaire examinée, celle des 99 emplois fictifs des présidences Flos, une procédure qui a débuté il y a 8 ans et pour laquelle le sénateur a été mis en examen pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. Maître Quinquis avait demandé des mesures d'instruction supplémentaires, une demande rejetée. L'avocat de Gaston Flos devrait se pourvoir en cassation, il a 5 jours pour le faire.